ils ont apporté des bonbons. Parce que les profs, c'est périssable. Un de moins cette rentrée, trois classes au lieu de quatre. À Roche-les-Beaupré, la maternelle tourne au grand cirque. 31 à 32 élèves par classe, quand l'académie fixe la jauge maximale à 30. Vous avez tous une place assise ? Non. Ah bon ? Bah alors, comment ils font, ceux qui n'ont pas de place ? Ils s'assoient par terre. Délivrer un enseignement à 31 élèves, c'est pas possible. Même si c'est en maternelle, c'est là que tout commence. Donc l'enjeu est quand même important. Et parce qu'on bouillonne, ça bouchonne. La colère en bandoulière, le maire dénonce le tour de passe-passe de l'académie qui dédouble les classes, mais divise les moyens. Il y a 800 postes, 800 classes en France qui vont être supprimées, qui vont être réduites. Ces 800 postes, ils vont être utilisés pour les mettre dans les classes prioritaires. Donc je proteste à ces pratiques qui sont faites. Qu'on fasse des classes prioritaires, je suis tout à fait d'accord, mais qu'on crée également des emplois, qu'on crée également des enseignants pour accompagner, pour encadrer ces classes prioritaires. Le plus rageant, c'est que l'école recense 11 élèves en liste d'attente, mais à 2 ans et demi, c'est moche, on compte pour du beurre. Les parents aussi, du coup. Nous, on a envie qu'elle entre à l'école parce qu'on estime qu'elle est prête et elle a envie de le faire, donc ça, c'est bien. On a aussi un problème de garde, puisque nous, on a une nounou qui est sympa, donc qui attend de voir un peu comment ça se passe, en fonction des heures qu'elle va avoir ou pas. Et puis nous, voilà, on se pose la question de savoir s'il n'y a pas ici, est-ce qu'il faut qu'on aille dans le privé, ce qui n'est pas du tout notre souhait. Les élus ont rendez-vous à l'inspection demain soir avec leurs pétitions, leurs arguments, mais sans les bonbons.